Alors, vous vous demandez certainement comment j'ai fait pour filmer cet ours polaire de si près. Eh bien, il se trouve que je suis récemment allé jouer à l'explorateur sur la banquise du Groenland. Alors, j'imagine déjà ce que vous vous dites. Encore un aventurier qui vient nous bassiner avec le réchauffement climatique. Vous avez déjà entendu cette histoire des dizaines de fois et vous aimeriez entendre quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Eh bien oui, encore un aventurier, vous avez raison. Je serai ce soir votre petite touche de verdure, la piqûre de rappel pour vous administrer une nouvelle dose de réactif face à l'urgence climatique. Car depuis peu, on m'a collé l'étiquette de navigateur au service de l'environnement. Alors je joue le capitaine planète dans les écoles et le mycorn local dans ma ville. Je vaccine à tour de bras contre l'inaction climatique en proposant des déclics, de la motivation et de l'inspiration autour de moi. Alors pour celles et ceux qui seront sceptiques face à ma stratégie vaccinale, ne vous inquiétez pas, c'est très rapide et indolore. Mon idée est simple. Je pars du principe que nous avons tous déjà reçu un certain nombre de doses et qu'il n'y a quasiment plus de climato-sceptiques en France. Personne ici n'ignore le réchauffement climatique et son fonctionnement. Je pars aussi du principe que nous connaissons déjà des solutions pour le combattre et que nous sommes capables de les utiliser. Que si les choses n'évoluent pas à notre avantage et celui de la planète, c'est simplement parce que nous n'en avons pas envie. Pour des raisons que l'on ignore et qui sont certainement propres à notre société moderne, force est de constater que nous sommes globalement amorphes et inactifs face au cataclysme qui a débuté un peu partout sur Terre. Ma stratégie, mon rôle, consisterait donc à susciter cette envie d'agir de manière la plus efficace possible. Mais comment faire ça? Comment susciter une envie, un sentiment, une émotion à contre-courant de ce que nous impose cette société moderne? Eh bien, mon rôle pourrait peut-être tenir en une phrase. Créer du lien entre les gens et un endroit du monde en grande détresse climatique. Cet endroit, ce serait l'Arctique et sa banquise. Cette région m'intéresse car elle est touchée 3 à 4 fois plus vite par le réchauffement climatique. Chaque année, ces paysages, ces populations humaines et animales sont bouleversées par des cataclysmes environnementaux. Les scientifiques estiment qu'à ce rythme, la banquise disparaîtra totalement, de manière périodique, dans 15 ans, en 2035. L'autre intérêt de cette région est son capital sympathie. Grâce aux ours polaires, aux icebergs et aux inuits, mais aussi grâce à la Reine des Neiges et au Père Noël, elle inspire généralement amour et émerveillement. Ces symboles, que l'on appelle aussi totems, seront ceux que je pourrais utiliser pour créer du lien entre l'Arctique et les gens que je toucherai. Ces personnes seraient celles de mon entourage géographiquement proche. Car plutôt que de chercher à toucher le plus de monde possible, l'idée est ici de chercher à cibler les personnes à portée d'une interaction forte et qualitative. Car j'ai grandi à Rennes et que je connais cette ville par cœur, mon action serait beaucoup plus impactante si elle s'adressait avant tout aux Rennais. Ceci étant dit, nous sommes encore plus de 450 000 à habiter l'agglomération, ce qui fait beaucoup de monde à toucher d'un coup. J'ai donc choisi de cibler les enfants en classe de CM1 et CM2. Alors je n'ai pas pensé à eux comme étant les futurs sauveurs de notre planète. Non, il est déjà trop tard, je pense. En 2035, quand la banquise commencera ses disparitions, ils auront alors 25 ans et seront encore bien loin de pouvoir peser sur le monde. Non, j'ai pensé à eux car ce sont, je pense, de fabuleux messagers pour diffuser des sentiments, des émotions, de l'empathie. Grâce à eux, je suis certain que la banquise et sa protection entreront dans de nombreux foyers de la ville. Cette stratégie, qui visait donc à créer du lien entre les jeunes Rennais et la banquise, s'est traduite par un projet d'expédition. Un programme d'éducation à l'environnement nourri par une aventure à destination du Grand Nord. L'idée était de faire un aller-retour jusque dans l'est du Groenland, afin de jouer le reporter spécial sur place et en direct pour les enfants. Pendant 3 mois, enfin une aventure de 3 mois qui a eu lieu cet été, et pendant laquelle voilà, j'ai fait le trajet de Rennes jusqu'à Saint-Malo en vélo, puis de Saint-Malo au Groenland en voilier. Sur place, j'étais seul, à bord d'une toute petite embarcation que j'avais emmenée avec moi. Elle me servait de cellule de survie, de moyen de transport et de studio de communication.
Pendant un mois, j'ai enchaîné les visioconférences avec plus de 30 classes de la ville, répondant aux questions sans filtre des enfants que j'avais déjà rencontrés pendant l'année. Et à chaque fois, je me rendais compte de la puissance de l'événement pour eux. Ils venaient de discuter avec leur ami aventurier en direct de la banquise en pleine disparition. C'était un truc de dingue. Au 1er août, ma mission était terminée, j'étais de retour à Rennes. Et on me fixait déjà un nouvel objectif, celui de susciter cette même envie d'agir auprès de 3000 spectateurs d'un TEDx. Alors du coup, je ressors ma bonne vieille stratégie et l'idée de créer du lien entre vous, le public, et la banquise, avec mon meilleur totem, l'ours polaire, celui-là même que vous avez croisé au tout début de mon intervention. Cet ours polaire et tout son écosystème risquent de disparaître d'ici quelques dizaines d'années. Et même s'il a voulu me manger les deux jambes, mon souhait, et certainement le vôtre, est de préserver son écosystème vital pour notre Terre. Ce ne sont pas que des mots, c'est bien réel. Et mon rôle, car je suis votre voisin, votre ami, votre collègue, que j'ai certainement rencontré vos enfants à l'école ou que je vous ai croisé dans la rue, est de vous fournir une preuve bien réelle de cela. La banquise et les ours polaires risquent de disparaître si nous ne faisons rien. Et nous devons réellement intégrer cette information pour construire notre futur. Ça va, je vous embête pas trop ? C'est ça le mauvais côté de ce rôle, je passe mon temps à répéter des évidences que l'on a un peu marre d'entendre. J'aimerais que nous prenions ensemble un dernier instant pour réellement intégrer des images que je vais vous montrer. Elles ont été tournées dans l'est du Groenland cet été, alors qu'une vague de chaleur particulièrement inhabituelle la touchait. Regardez bien, car tout ceci est bien réel, et tout ceci risque de disparaître. Merci.